Salam, مرحبا بمشتركي صبورانات. مازلت مواصله معاكم في البارتي برودوي سكالير دون لو بلان، باش نكملوا نصلحوا الصيغي نتاعنا. دونك اليوم شنو باش نصلحوا 3 اكزرسيس في الفيديو هذا. الاكزرسيس اللي نشنو فيه، دونك سوا ا بي سي دي ان ريكتانجل، هاكا ا بي سي دي، عطيني لي ديمونسيون تاع الريكتانجل نتاعي. ا دي ايغال 3، ا بي ايغال 5، او لو ميليو دو ا بي. دونك هذه البوان او هي لو ميليو دو AB, je m'en tiens à EA égale AB sur 2, maintenant 2,5. Je vais calculer les longueurs AC et DE, oui, AC est lié AC, diamètre interne, et DE, en exprimant chacun des vecteurs AC et DE, en fonction des vecteurs AB et AD, calculer le produit scalaire AC scalaire DE. Question le règne, on déduire la valeur de l'angle θ. Oui, θ, c'est l'angle que fait DE avec AC. Donc, il y a l'angle θ en degrés. Voilà. Donc, quel est l'exercice interne? Je vais faire comme l'exercice l'ouléni. On va faire l'exercice les bas. Donc, question l'ouléni, calculer les longueurs AC. Tout simplement, AC, on va utiliser la théorème, on va utiliser le théorème, pardon, de Pythagore. Donc, je vais dire A, B, C. Et rectangle en B. Donc Pythagore, AB au carré plus BC au carré égale AC au carré, tout simplement. Donc, dans un triangle rectangle, c'est un triangle métérique, A, B, C. Et bien, ça met le côté A, et le côté B, et le côté C, ok? Donc, le théorème de Pythagore, si vous voulez Pythagore, vous voulez A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc, il suffit à indiquer deux dimensions, c'est ça, le théorème de Pythagore. Voilà, donc le problème théorique, on dit déjà, on dit le côté AB égale à 5, le côté BC égale à AD égale à 3. Tout simplement, 5 au carré plus 3 au carré égale, donc 25 plus 9 qui est égal à 34. Il y a AC au carré. Donc, quoi est égal à C? Pardon, AC égale à racine de 34. Voilà, donc, c'est le côté AC. Donc, DE, DE, c'est lié DE. DE, kif DE, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, AD au carré plus AE au carré égale à DE au carré. Voilà, donc, je vais dire AD au carré plus... Donc, AE au carré égale DE au carré. Donc, ce qui donne DE au carré quoi égal. Donc, AD il y a 3 au carré plus DE il y a 2,5 au carré. Voilà. Donc, égale 9 plus 6, 25. Donc, 2,5 au carré, il y a 6, 25. On trouve DE au carré égale à 15, 25. Donc, ce qui donne DE égale à racine de 15, 25. Voilà. Donc, question 2. En exprimant chacun des vecteurs AC et DE en fonction des vecteurs AB et AD, calculer le produit scalaire AC scalaire DE. Tout simplement, je vais vous dire que j'ai fait le vecteur AC et le LNED, on a fait le point B, on a fait le vecteur C et le DE, on a fait le point D. Bonjour, je vais vous dire. Donc, question 2. Je vais vous dire le produit scalaire AC scalaire DE. Donc, quoi est égal à AC scalaire DE? Tout simplement, je dois le point B. Donc, égal à AB plus BC. Voilà. Scalaire, je dois le point A. DA plus AE. Voilà. Donc, je dois atteindre tout simplement. Je peux dire que on dit AB plus BC. Donc, AB plus BC. Ou on dit DA plus AE. Quoi est égal DA? Je vais mettre moins AD. Voilà. Ou l'AE, normalement, l'E est 1/2 de AB. Donc, il y a 1/2 de AB. Égal AB plus BC. Voilà. Scalaire, le point DA, je vais mettre moins AD. Le vecteur DA ou moins AD. Plus AE, plus 1/2 de AB.
Voilà, plus 1,5 de AB. Le E est le milieu de AB. Donc, plus 1,5 de AB. Ou le BC, quoi est égal BC? Tout simplement, le vecteur BC ou habite le vecteur AD. Donc, j'ai un autre lien. Je suis allé à Andy. Égal à AB plus BC moins la plus AD. Voilà. Scalaire moins AD plus 1,5 de AB, tout simplement. Donc, tant que je suis le produit scalaire MT. Donc, tout simplement, AB scalaire moins AD, AB scalaire 1,5 de AB, AD scalaire moins AD, ou AD scalaire 1,5 de AB. Voilà. Donc, je suis à Tini. Surtout, donc, moins AB scalaire AD. Et plus 1,5 AB scalaire AB moins AD scalaire AD. Voilà. Plus 1,5 de AD scalaire AB. On change le style. Donc, plus 1,5 de AD scalaire AB. Donc, j'en on a AB scalaire AD égale à 0. Oui, il AB scalaire AD. Donc, figure en théorie. AB scalaire AD égale à 0. Allez, je rate la droite AB perpendiculaire aux droites AD. Ou bien, le vecteur AB et AD sont orthogonaux. Quel des droites perpendiculaires, deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire AB scalaire AD égale à 0. Oui, il AB scalaire AD. Tout simplement, Heidi, 0. Voilà, où est dit 0? Je parle, il y a AB scalaire AB, c'est le carré scalaire. Où est dit AD scalaire AD, le carré scalaire. Donc, si vous allez à Andy, égal 1,5 de AB au carré moins AD au carré, tout simplement. OK? Donc, quoi est égal à Andy? Il y a la distance AB, il y a 5, ou distance AD, il y a 3. Donc, égal à 1,5, pardon, de 5 au carré moins 3 au carré. Donc, quoi t'égal à dire? 1,5 de 5 au carré, maintenant 1,5 fois 25, 25 sur 2 moins 9, qui est égal, donc 12,5 moins 9, égale 3,5. Donc, AC scalaire DE égale à 3,5. Voilà. Question, le chréni, on déduire la valeur de l'angle θ qui est égal à DE scalaire AC. On le scalaire AC scalaire DE. Donc, l'angle DE AC, donc l'angle est. Okay? Tout simplement, on utilise la définition du produit scalaire. Donc, Jean-Anne, question 3. Donc, AC scalaire DE. AC scalaire DE égale à AC fois DE fois cosinus AC DE. Okay? Donc, c'est là l'angle ACDE. Donc, le cosinus, on va mettre la calculatrice dans l'angle. Okay? Donc, cosinus ACDE, tout simplement, égale le produit scalaire AC scalaire DE sur AC fois DE. Voilà. Donc, le produit scalaire, c'est bien la question locale, 3,5 sur, donc, l'AC, il y a racine de 34, kif, fois DE, il y a racine de 25, 15,25. Donc, on trouve à peu près cosinus égale à 0,1537. Donc, avec la calculatrice, deuxième fonction, on trouve l'angle AC DE égale moins 81,16 degrés. L'application est limitée à la calculatrice. Je vais vous montrer la vidéo. Nous allons voir comment utiliser la calculatrice. Comment utiliser le cabdandi cosinus, calculer les angles, le cabdandi les angles, calculer les cosinus, les sinus, comment utiliser la deuxième fonction, etc. Donc, Inch'Allah, je vais vous montrer une vidéo. Comment utiliser la calculatrice filmante. Ok? Donc, tu as dans l'exercice les bases. L'exercice AD, on va démontrer quelques théorèmes. Donc, démontrer que 4U scalaire V égale à
Module de U plus V au carré moins module de U moins V au carré. Et module de U plus V au carré plus module de U moins V au carré égale à 2 module de U au carré plus module de V au carré. Donc, je n'ai pas l'égalité de l'année. Je n'ai rien dit. Donc, 1. Démontrer que, donc, 4 U scalaire V égale module de U plus module de V au carré moins module de U moins V de tout au carré. Donc, je donc, tout simplement, l'égalité Lola. Donc, module de U plus V au carré moins module de U moins V au carré. Tout simplement égal. Et U plus V au carré. Allez, je l'ai module au carré. Kif-kif. Donc, je module au carré. Ou alors, somme de deux vecteurs au carré. Moins U moins V au carré. Kif-kif. Donc, tant que je sous la forme A plus B au carré. Tout simplement, il y a U au carré plus 2 UV plus V au carré. Voilà, le terme l'éni. Moins U au carré moins 2 U V, voilà, plus V au carré. Tâche non j'y pchnam, j'y n'ai pas une parenthèse. Donc, je suis allé en disant U au carré plus 2 UV plus V au carré moins U au carré plus 2 UV. Voilà, moins V au carré. Quand je signe moins pas la parenthèse, je signe les flous de la parenthèse, puis je te gueule. Donc, je me lâche. Et je dis U au carré, moins U au carré, puis je suis à la roche. Je dis V au carré, moins V au carré, puis je te lâche. Donc, je te lâche. Je te lâche. 2 UV plus 2 UV. Voilà. Donc, quoi t'égale? Il y a 4 UV. Voilà, on saute l'égalité et l'ihabala. Eh bien, notre égalité est vérifiée. Okay? Donc, on va démontrer que U plus V au carré plus U moins V au carré, donc égale 2 modules de U au carré plus module de V au carré. Tout simplement, kif-kif, je mets l'égalité. Et puis, je mets l'égalité. Donc, elle change tatini. Tatini U au carré plus 2 UV plus V au carré. Voilà. Plus U au carré moins 2 U V plus V au carré. Donc, les nèches, on a dit, on dit signe plus, mais il y a pas de la cniche, parenthèse. Donc, je mets là, je me lâche. On dit 2 UV moins 2 UV. Je vais te U au carré plus U au carré. Maintenant, 2 U au carré plus 2 V au carré. Donc, tout simplement, égal à 2 module de U au carré plus module de V au carré. Voilà, ça c'est l'égalité. Voilà, notre égalité est bien vérifiée. Okay? Question 2, interpréter la deuxième égalité, maintenant U plus V au carré moins U moins V au carré égale à 2 U au carré plus V au carré à l'aide d'un parallélogramme. Je vais faire un parallélogramme, je vais mettre les égalités internes, on va donc notre interprétation. Donc, quel est le parallélogramme théorie A, B, C, D. L'égalité, donc, elle est U plus V au carré plus U moins V de tout au carré égale à 2 module de U au carré plus V au carré. Voilà. Donc, soit le parallélogramme théorie A, B, C, D. Donc, on pose U égale AB. Je dirais que U ou le vecteur AB. Ou V ou le vecteur AD. Ou V ou le vecteur AD. Okay? Donc, U plus V, quoi égale U plus V? Il y a AB plus AD. Donc, est égal à AB plus AD. Lié. Voilà. AB plus AD égale à AC. AB plus AD. Donc, est le vecteur AC. Okay? Donc, je vais dire U moins V. Quoi est égal à U moins V? Tout simplement, il y a AB moins AD.
qui est égal à AB plus DA. Voilà, donc qui est égal à DB. Donc AB plus DA égale à DB. Voilà. Ok? Clairement, AB plus AD égale à AC. Qui fait chez AB plus AD. AD est là, ou le PC. Donc, il est là. Donc, il y a AB fait AD, hatit BC plus BC. Voilà. Aouz juste head. AD, aouz le BC. Donc, tout simplement, AB plus BC est AC. Voilà, ça c'est AC. Ou head. AB plus DA. Juste les négligés. DA. Plus AB. Voilà. Donc, DA plus AB, ici, le vecteur DB. OK? Vous n'avez que son élève. Tout simplement, donc, c'est la relation de Charles. Il y a AD plus BC. J'ai vérifié que AB plus BC, donc, égale à AC. Donc, le AC au carré plus DB au carré égale à 2. AB au carré, voilà, module de AB au carré, plus module de AD au carré. Tout simplement, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés du côté. C'est formule d'un parallélogramme. Donc, la somme des carrés des diagonales est égale donc à la somme voilà à la somme des côtés égale à la somme des côtés des carrés des côtés donc des carrés tout simplement. Attends, dans un parallélogramme, AC au carré plus DB au carré égale à 2AB au carré plus AD au carré. Voilà. Question 3. Démontrer que U plus V scalaire U moins V égale à module de U au carré moins module de V au carré. Donc, question 3. U plus V scalaire U moins V. Tout simplement égale U scalaire U moins U scalaire V, voilà, plus V scalaire U moins V scalaire V. Okay? Donc, égal, j'ai dit, l'énergie a dit, moins U scalaire V plus U scalaire V, plus je t'apprends, U scalaire U moins V scalaire V. Et dis non, carré scalaire, donc égal module de U. Au carré moins module de V au carré tout simplement donc j'ai vérifié la relation Elie Habale. Question 4 on déduit une interprétation géométrique je n'ai pas le parallélogramme théorique donc je n'ai les mêmes notations U ou le vecteur AB ou le V ou le vecteur AD donc je t'attini U plus V scalaire U moins V tout simplement donc U plus V scalaire U moins V égale déjà NL U plus V, c'est avec question dans un parallélogramme, U plus V égale à le vecteur AC ou U moins V égale à le vecteur DB. Donc égale AC scalaire DB. Donc qui est égal à 0. Voilà. Donc Hedi égale à Hedi. Donc qui est égal à module de AC. Donc module de AB, pardon, au carré. AB moins module de V le vecteur AD moins module de AD au carré. Voilà. Donc, U plus V scalaire U moins V égale à module de U au carré moins module de V au carré. Donc, l'interprétation géométrique indique AC scalaire DB égale à 0. Je prends le module de AB au carré moins AD au carré égale à 0. Donc, dans un parallélogramme, on dirait le parallélogramme théorique. Donc, A, B, C, D. Voilà. Les diagonales théorèdement. Si AC scalaire DB égale à 0, je m'entends AC perpendiculaire à DB. D'accord? Ou AB au carré moins AD au carré égale à 0, je m'entends AB égale à AD. Je n'ai pas le cas de
Tout simplement, losange. Voilà, donc nous sommes dans le cas de losange. Voilà. Ok, donc, t'abonnes à la Sabouranet. Je suis un peu comme des autres séries. À la partie, donc, comment utilise le produit scalaire, les propriétés d'orthogonalité, les problèmes d'orthogonalité, géométrie analytique, etc. Donc, mais c'est le plusieurs exercices, fait partie produit scalaire dans le plan.